C'est pas parce que
quand tu es sapant de ces mondes que tu comprendras les choses de Dieu. Non. Les choses de Dieu, c'est la grâce. Beaucoup de gens dans le monde nous dépassent de loin devant l'intelligence. On ne peut même pas s'intéresser. Dans l'intelligence, même dans les moyens. Et Dieu les bénisse, nous visiter uniquement. Il faut glorifier le Seigneur. Le Seigneur s'est réjoui de venir te visiter. Là, il faut que tu sois vraiment reconnaissant devant Dieu. Et dire que qui suis-je pour qu'un Dieu si grand vienne habiter en moi? C'est parce que Dieu t'a reconnu avant la fondation de toutes choses. Voilà pourquoi il est venu te chercher. Au travers de sa parole. Afin que tu reçoives la nature dont tu possédais avant la création du monde. La sainteté, c'est une nature. Vous savez, Ésaïe 11 dit ceci. Quand on parle sur Christ, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, la respiration, la vie. La vie de Christ, c'est la crainte de l'Éternel. En tout cas, cette écriture-là est jolie. Donc, si habitue-toi et admire à cela. Et que tes yeux soient fixés sur Christ. Ésaïe 11, verset 2 à 3. C'est que nous venons de dire, c'est tout dans Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3. Il respirera la crainte. Amen. Là, c'est une bonne habitude. Craindre Dieu, c'est une vie. Si tu veux vivre, sois coupable d'ensemble. Prends la crainte de l'Éternel. Ok, ça n'a pas battu sur la table là-bas. Pourquoi ça va couche? Tu seras différent de tous les gens qui circulent dans les rues parce qu'ils sont morts. Parce que respiration, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Mais il faut évacuer ça à ces pays. Il faut que tu saches que Dieu t'a aimé. Pour apprécier aux paroles. Tout simplement qu'il t'a donné sa parole. Amen. Nous prenons notre texte pour la gloire de Dieu. Apocalypse 12. En Apocalypse chapitre 12. Par la grâce de Dieu. Nous lisons à partir du verset 7. Tous les ans à partir du verset 7. Et le verset 18. Oui. Il y a guerre dans le ciel. Et tout baisera dans les colons. Michel et ses anges combattent contre les dragons. Michael et Angelo n'avaient pas bouti sa vie d'Aragona. Et les dragons et ses anges combattirent. Père d'Aragona n'a pas Angelo n'avait pas bouti. Mais ils ne firent pas de plus fort. Kasi bango bazalaki na makasi te. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Père si ta na bango bazalaki de sous terre dans les colons. Et il fut précipité. Père à quoi kamaki? Le grand dragon. Yé d'Aragona mon aîné. Le serpent ancien. Yé non kanakala. Appelé le diable. Et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car l'Éternel est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le feu. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Et ils s'éteignent sur le sable de la mer. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Tout l'autant pour la. Nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Et moi, je crois que le Seigneur a donc fait la mission maillée de comprendre les 16 écritures saintes. Je crois que le Seigneur est en train de vous ouvrir l'intelligence afin de comprendre ces écritures saintes. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Amen. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu l'exaction des grâces pour cela. Ceci. Guerre nous ont présenté voilà. La guerre dont on présente là-bas, total, il s'agit déjà de expliquer qui. Nous vous l'avions déjà montré en expliquant que il y a un tende et salement qui avant que Satan a coué dans le jardin d'Eden. Il ne s'agit pas de cette guerre-là qui s'était faite avant que les Satan les diables soient précipités dans le jardin d'Eden. Parce que la situation des cas qui avant chute d'Adam. Parce que la situation qui s'était passée avant la chute d'Adam. Ézéchiel 28 d'Azoroméléamo. C'est Ézéchiel 28 qui en fait mention. Pourquoi toujours tiens-moi à thé? Pourquoi nous ne plaçons pas la chute du serpent là-bas? Et ça pour Awawa. C'est parce que ici, en Apocalypse 12, Azala qui déjà confonda. Ma frère, avant que accueille. C'est parce qu'ici on montre comment il était accusateur avant qu'il ne tombe. Or, tant que mon tazari qu'on dominait, or lorsque l'homme dominait encore, tazari n'a montré quoi qui c'était. Il n'avait personne pour être accusé dans les jardins de Dieu. C'est ainsi que nous t'avions montré ceci. Précipitation et un serpent. La précipitation du serpent est révélée dans les écritures saintes et multiple dans les saintes écritures. Et tout le bas qui pourrait. Voilà pourquoi on avait dit ceci. Tous les qui Genèse 3. Nous avions pris Genèse chapitre 3. Au verset 1er. On a l'écriture et l'inscription. Là-bas, l'écriture nous parle. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Tant autant la Genèse 3. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans Genèse chapitre 3, les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs. Nyoka Azaraki
que l'Éternel Dieu avait fait. Donc écriture où donc cette écriture ce n'est pas de la manière dont d'autres personnes prêchent dans leur doctrine. Si vous parlez par exemple dans d'autres doctrines des branamistes, par exemple, même d'autres doctrines, lorsqu'on prend ces versets, il démontre que c'est le pape Kandazaraginaris. Il démontre que c'est uniquement les serpents qui étaient visés. Moïse avait mené mon Moïse n'avait pas parlé comme ça. Comment j'ai fait ça, Moïse? Dans la personne qui avait rédigé le livre de Genèse, c'est Moïse. Moïse, désormais, mais moi, pour moi, la création, nous sommes les arrêts. C'est Moïse qui fut transporté par Dieu pour qu'il voie la création, comment elle était. Moïse a commis. Moïse avait rédigé. Nyoka. Que le serpent. Azalaki, Oyo, Aleka, qui maillait et amabé, Koleka, Bandi, Bouébaniama. Que le serpent était le plus rusé que tout autre animal plutôt dans les jardins. Donc écriture Oyo. Donc cette écriture est à l'issue animaux moussous banyama moussous bazala qui peut narise. Pour assurance que d'autres animaux qui restaient étaient aussi rusés. Le serpent dans sa qui plus rusé. C'était le serpent qui était plus rusé. C'est ça l'écriture. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous parlions, nous avions pris le verset 15e. Là c'est maintenant Dieu qui parlait au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ah. Donc la côtière qui bouguna entre yo serpent na moi. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, serpent, et la femme. Je mettrai ça dans l'air où on atteint en bas du diable. Donc, quand Dieu dit je mettrai, ça veut dire que ce n'est pas au moment là. Et ça, la future, mais il va travailler le balobab. Donc, c'est pour les choses à venir. Donc, avec la côte, qui donc, il dit je mettrai dans la suite des temps. Entre au serpent, oui, na moi aussi. Entre toi le serpent et la femme. Mais là, ce que nous entendons dans la bouquet de l'écriture. Alors, dans le lisons avec plus d'attention l'écriture. Alors, moi, si il y a qui Ève. Ici, la femme, il s'agissait en réalité d'Ève. Ce qui est total, il y a Genèse 4. Lorsque nous regardons maintenant dans Genèse 4, nous ne voyons pas cette promesse-là. Inimitié pour nos empathies qui m'ont mis nos empathies entre moi, si, na, serpent. Et l'inimitié dont Dieu devait mettre entre la femme et le serpent. Ma doctrine nous soucie de la caca. D'autres doctrines ne font que mention d'autres prédications. Il y a ma doctrine nous soucie. Des autres doctrines. Dans verset 15, matin à caca, je mettrai l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Dans leur prédication, ils ne font que mention de l'inimitié dont l'Éternel met entre la postérité de la femme ainsi que celle du serpent. Nous disons que la Bible n'a pas commencé à ce moment-là. La première ligne du verset 15. Il y a Genèse 3. Et Genèse chapitre 3. Et le dit, je mettrai l'inimitié entre toi, serpent. Ça dit que je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent. On a montré qu'il faut où, non? Je mettrai l'inimitié entre toi. Nayo serpent et la femme. Ah. Nana kote ki bomuna wana. Qui va mettre cette inimitié? Zambé. Dieu lui-même. Serpent ça. Et serpent est comme là-bas. Moi si yo. Et la femme est comme là-bas. Mais dans sa basoya na ki bomuna na ye. Dieu vient avec son inimitié. Zambé a lui. A lui dit que serpent n'a kote ki yé zambé. Il n'a pas dit que c'est le serpent qui mettra, non, Dieu lui-même. J'ai yéné. Donc, il s'est personnalisé avec lui. A comme ça, on est serpent. Et il disait cela, serpent. N'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de moi. Moi-même, je dis avec l'inimitié, j'ai yéné.
entre trois serpents et la femme. Et alors qu'il y a encore dans le futur pour la montagne, c'est que et donc on a écouté qu'à ce moment-là, Dieu a béni cela au futur pour que la chose va s'accomplir quand tu feras la marche avec les Écritures de Dieu. Il y a un tourna la doctrine belle. Voilà pourquoi j'avais questionné à plusieurs doctrines. Même doctrine de message à Branham. Même à la doctrine de message de Branham. Lequel accomplissement la première ligne de Genèse 3:15. Donc cherchez-moi l'accomplissement de la portion A. De Genèse chapitre 3, le verset 15. Pourquoi je l'ai ramené ainsi? Parce que pour eux, quand tu parlais à Ève, il ne se limite qu'à Ève. Dieu est un prophète. Dieu peut parler avec toi comme ça. Si tu regardes ça dans Genèse 4 maintenant, et à terre, ça ne s'étouffe pas. Oui, il y a une qui on a jamais fait son mille. Quand il y en a même, voilà ça. Ma postérité, ça, la postérité à Adam. Maintenant, quand tu arrives dans Genèse 4, tu verras l'acte de Caïn et d'Abel. Là, c'est la postérité d'Adam. Donc, ça, le bénin, serpent à moi-ci. Nous, nous parlons plutôt du serpent et de la femme. Pour lui, j'ai été. Parce qu'il avait dit. Ça veut dire, c'est-à-dire, laisse d'abord Genèse 3. Parce qu'il a dit, je mettrai au futur. Et Dieu bénisse. Si tu lis Genèse 4, on dit femme aux hommes, la femme. Tu regardes la femme, ouais, ça veut dire Genèse 3. C'est tout dans Genèse 3. C'est elle. Dans Genèse 4 silencieusement et à terre. Ça ne s'étouffe pas. Maintenant Ève a soutenu là dans Genèse 5 et la vie de Ève s'arrête dans Genèse chapitre 5. Ève est morte. Est-ce que les arbres sont possibles? Donc Dieu est menteur parce que Dieu dit la chose à lui. Amen. Il entend ce qui existe. Amen. Alors Makayo voyez. Amen. Le col à la kaki. Comme Dieu avait promis. Nakotiaka. Je mettrai. Quand il faut d'abord la faire, c'est Dieu. Comme on a. Ève, hier, on a fait ça. Attends, Ève, on a fait. Donc il faut naviguer dans les Écritures pour découvrir que non, c'est ici que Dieu avait parlé des divinités. Même si Ève est morte. La parole est vivante. Amen. Et ça, la Messie, quand il y a moins fait quoi qui ça. Donc, il y a toujours un endroit où cela devait s'accomplir. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a encore Nathalie Saboué. Voilà pourquoi je vais montrer ceci. Zabé Azoua qui Abraham. Dieu avait pris Abraham. Quand il avait pris Abraham. Quand il avait pris Abraham. A Kaboli Nabaki Colonios. Il avait séparé d'autres nations. Maintenant, Bessie Abraham la parole. Il a pris la parole, il l'a attribué à la parole à Bessie Abraham. Cette parole que tu avais donnée à Abraham. C'est ça qui m'a na serpent. Amen. C'est ça l'inimitié avec le serpent. Il y a mon appétit. C'est pourquoi il t'a donné à Abraham. Il y a mon cette richesse dans la vie carte à Isaac. Voilà pourquoi la richesse qui s'est trouvée à Isaac. La richesse qu'on a élevée la carte à Jacob. Elle est venue. C'est transmise à Jacob. Jacob a changé le nom de Jacob comme Israël. Dieu avait changé le nom de Jacob et lui avait donné un autre nom d'Israël. Israël te donne les 12. Par Israël, on voit 12. Les 12 tribus. Les 12 ou un autre nom de Bazaraki dans l'Égypte. Ce sont les 12 là qui se trouvaient en Égypte. Bazaraki dans la boîte, la maman, la parole. Ils avaient avec eux la parole. Oh, Moïse a dit côté là. L'heure avait prêché. Cette parole, c'est ça, je mettrai. Amen. Parce que dans le monde, on a un serpent. Parce que de l'autre côté, il y avait, dans le milieu, il y avait le serpent. Serpent de Pharaon. Et ce serpent-là, c'est Pharaon. Maintenant, Israël, c'est comme la femme. Maintenant, Israël était comme la femme. Amen. Parce que la prophétie
marche. Amen. Israël était comme la femme. Israël était comme la femme. Mais maintenant, les pharaons. Maintenant, pharaon. Azali comme le serpent. Il était comme un serpent. Libotanae nyonso. Batonne sur la ligne autorité. Bamonne sur la ligne autorité comme dragon. Donc, tous ceux qui avaient de l'autorité, ils représentaient les dragons. Il y a mon tabou, mon sacoli. Parce que ma chambre est sur la Bible, ma sacoli, ma sacoli. Voilà pourquoi, quand les prophètes, dans tous les chantres dans la Bible, furent des prophètes. Après ça, dans 1 Chronique 25, verset 1er. Vous avez donné 1 Chronique, chapitre 25, le verset. Mais si, quand on a donné le psaume 74. Maintenant, je lis dans le psaume 74. Sommes sur le psaume 74. Quand tu lis le psaume 74, dans ce temps, on a compris Jésus-Christ. Nous lisons selon le nom de Jésus-Christ. Psaume 74. Psaume 74. À partir du verset 12. Tiens, verset 16. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Nzambe, Azamo Kosinanga, Uto Batamona Kalakana. Temps anciens, on va éternité. Les temps anciens, la parole de l'éternité. Utapona Zaroua. Depuis là, Dieu était son roi. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Yo yo, asalaka kokangwa kati na mokili. Qui a fendu la mer par ta puissance. Yo kopaso ki mai monene na nguyana yo. Qui a brisé les têtes des monstres. Yo kokuka ki mitu ya bilima. Omoni pharaon na armée na yo sokongo ba pesi ya boy. Tu vois pharaon ainsi que son armée, les noms qu'on lui attribue, c'est celui-là. Tu sais pas la mort. Ah. Ton bassin est vraiment serpent diable des monstres. On appelle vraiment les serpents diables les monstres des eaux. Des monstres sur les eaux. Bilima Namal. Tu as écrasé la tête du crocodile. Yo Banzaki Mutunangando. Sokozui Ézéchiel 29. Quand tu prends Ézéchiel chapitre 29, tout à l'heure on a compris Jésus-Christ. Ah. On a brisé la tête du crocodile. Ézéchiel 29, à partir du verset 1 et du verset 3. La dixième année, nous disons au nom de Jésus-Christ, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme. Tourne ta face vers Pharaon. Banuka contre la Pharaon. Roi d'Égypte. Et prophétise contre lui. Et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras. Ainsi parle le Seigneur Éternel. Voici j'en vais à toi, Pharaon. Roi d'Égypte. Grand crocodile. Qui te couche au milieu de tes fleuves. Et qui dit mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Mais ma fleuve, voilà, puissance dans ma territoire. Le fleuve là parle de ses alliés, des puissances qui étaient avec lui. Encore puissance. C'est pourquoi il les appelle ses puissances, car c'est lui qui les avait créés. Donc l'Égypte avait tout un serpent, tout un monstre. Donc l'Égypte était tout un serpent, un monstre. En face, Naïs avait une femme, répétition à Ève. En face de lui, il y avait une femme qui était la répétition de Ève. Parce que Israël, car Israël, le Seigneur avait Naïs comme la femme de l'Éternel. Le Seigneur l'appelle comme étant la femme de l'Éternel. Dans Isaïe 54, verset 5. Dans Isaïe chapitre 54, au verset 5. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Car ton Créateur est ton époux. Pendant que l'Éternel des armées est son nom.
ton rédempteur est le Saint d'Israël. Et se nomme Dieu de toute la terre. Israël est une femme. Israël était comme une femme. Dieu l'avait pris comme étant sa femme. Donc Israël était une femme. Israël était vraiment une femme. Donc au moment en Égypte. Quand tu la vois en Égypte. Mais parole à Zaraki Nago. La parole donc possédait Israël. Et Zaraki, une abomination pour les Égyptiens. Elle était pour les Égyptiens une abomination. Il y a un moment dans l'Exode 8. Voilà pourquoi tu verras dans l'Exode chapitre 8. L'écriture est sur l'écriture fait mention de ces Exode 8. Verset 21. Non, 22. J'ai le nom de Jésus. Ah. Exode 8, verset 21, 22. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. Allez. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répondait. Il n'est point convenable de faire ainsi. Car nous offrions à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, mais nous lapiderons-t-il pas? Donc, adoration à Israël, à Zaraki, mais à nos sainte. La sainte adoration dont possédait Israël. Pour l'Égypte, c'est ça, abomination. Pour les Égyptiens, c'était l'abomination. Israël aussi, adoration des Égyptiens, c'est ça, abomination. Pour Israël également, l'adoration des Égyptiens, c'est une abomination. C'est ça, inimitié. C'est ce qu'on appelle l'inimitié. Kibonguna. L'inimitié. Parce que c'est Dieu qui voyait la Maya Kotia. Car c'est Dieu qui viendra pour mettre cela. L'olégué moko aujourd'hui pour la Yonandaï. De la même manière aujourd'hui pour toi et moi. Enseignement à ma persécution. L'enseignement dont le Seigneur nous a donné. Mais ça, il a mis l'inimitié dans la nation. C'est une forme de dire que Dieu a mis l'inimitié entre nous et d'autres nations. Dans la nation, nous sommes dans l'église. Quand je parle des nations, ne voyez pas des nations comme ça, je parle plutôt des églises. Je crois ici adoration. Quand tu vas montrer ton adoration comme ça, ils vont la lapider. Donc si quand tu verras leur adoration, on lapider. Tu vas lapider cela. Amen. Ils ont l'inimitié. Donc les deux adorations ont l'inimitié. Il y a beaucoup la parole de la vérité. Voilà pourquoi l'enfant qui a la parole de la vérité. Alors, il peut pas adorer à la manière dont les gens du monde le font. Non. Non. Ce qui est Mokili, Balataka, Bazipaka, Soukite, Baser. Si l'adoration du monde, les sœurs ne couvrent pas leur chevelure. Bazola ta jupe transparente et amicousse. Elle porte des courtes jupes transparentes. Bazola ta rouge, jaune, bleu, ce qui m'a mis. Elle met le rouge, jaune, bleu comme des arc-en-ciel au visage. Yo, pour imiter tes bras, c'est une abomination. Toi, tu ne vas pas imiter cela parce que cela est une abomination. Maintenant, on l'a eu ça. Maintenant, ta nature là. Yazo, papa, maman, maman. Elle la pique cette nature bonne. Église n'a mis de quoi ça dans ma coco. Votre église vous rend des vieilles mamans là. L'homme n'a pas se fait la posée. Dites que moi j'aime être naturel. Très à l'aise. Et je suis très à l'aise quand je suis naturel. Parce que c'est ma adoration qui c'est. Parce que ce sont des adorations qui c'est. Grave. Alors c'est très grave. Yo ça n'est pas chiant. Toi tu qui possèdes l'hypothèse. Oh, Bravo!
Maintenant, tu commences à vivre comme celle-là. C'est fort. Il faut se vérifier bien. Maintenant, il faut que tu te vérifies convenablement. Israël, adoration. Israël, son adoration. Cela a dit abomination pour les Égyptiens. Cela a été une abomination pour les Égyptiens. C'est ça l'inimitié. C'est ce qu'on appelle l'inimitié. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, maintenant, il te faudrait comprendre. Dans le langage de Dieu, le premier-né d'Israël, celui qui avait pris la place du premier-né d'Israël, c'est l'agneau. Amen. L'agneau était le premier-né. L'agneau était comme le premier-né. Parce que Dieu avait pris la décision de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Alors, pas les Israélites. Mais pour les Israélites, agneau. Il a tué l'agneau. Bon, alors, parce que l'agneau est premier-né. Pour dire que l'agneau, c'est ça, c'est lui le premier-né. Il y a moi, Jésus est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est dans l'agneau de Dieu. Premier-né. Il est le premier-né. Parce que le Dieu est le premier-né. Amen. L'agneau n'a pas place à premier. C'est l'agneau qui avait pris la place de premier juif de la part des juifs. Cet agneau était signe des Lévi. Parce que sur le nombre 3. Parce que quand tu prends le nombre chapitre 3, verset 44. Au verset 44, il y a. Nombre 3, verset 44. Nombre chapitre 3 au verset 44. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Amen. Verset 44. L'Éternel dit, par Moïse dit. C'est quoi? Aïe, mais ça dit, moi, c'est Père Lobac. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, parlez-vous, il n'y a si qu'à la papote, il n'y a pas de l'Israël. Bon, sauf qu'il y a un poste dans le désert. Ben, si tu partais, par exemple, sauf si tu sors dans l'Égypte, quand tu pars en Égypte, l'Ouest a dit à premier-né. La mort était pour le premier-né. Qui avait pris la place de premier-né? Agneau. C'est l'agneau. Ah. Maintenant, agneau. À la place de l'agneau, est commis Lévite. C'est devenu Lévite. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Verset 45. Et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Père, Banyama, Yabaleoumi, Nabisika, na Banyama Nabango. Et les Lévites m'appartiendront. Père, Banyama, Bakozala, Paola, parce que Zambani Nabangoya Yambo. Car Dieu aime le premier-né. Maintenant, au milieu d'Israël, Lévi avait pris la place de tout le premier-né. Maintenant, Lévi était symbolisé comme étant, était comme un sacrifice, comme l'agneau. Nous nous suivons très bien. C'est lui qui avait pris la place de tout le premier-né. Il y a beaucoup de monde. Voilà pourquoi tu verras. La postérité de la femme. Amen. Écrasera la tête, c'est bon. Amen. Bonjour, maman. Je suis très bien. Donc, maintenant, la postérité de la femme en réalité. La postérité de la femme en réalité. Vous cet agneau. C'était l'agneau. C'était l'agneau comme si. Comme Lévi. Comme étant Lévi. Comme Moïse. Amen. Bonjour, maman. Nous suivons très bien. Maintenant, la tête du serpent, la tête des araignées premier-nées. La tête, c'est sa part du premier-né. Mort le moine de l'Ibosa Pharaon. La mort du premier-né des Pharaons. C'est ça la tête du serpent. Ah. Vous avez la maman? Nous nous suivons très bien. Comme la force, c'est ça. Il représentait la force des Pharaons. Est-ce que vous avez les amis? Est-ce que vous suivez comment la chose est structurée? Donc, nous allons au verset 15. Je ne prends que le verset 15. La Genèse 3. Oui. La nommée qu'ils ont d'amour là. Que ce verset-là marche.
vous avais montré ceci. Que toute nation qui est élevée au-dessus des autres, la Bible l'appelle comme étant les serpents. C'est de la même manière que la Bible l'appelle encore monstre. Comme étant serpent. C'est pourquoi je t'ai montré comment on appelle l'Égypte. Je t'ai montré cela dans le psaume 74. Monstre. On appelle monstre. Qui a des têtes. Qui porte des têtes. Mais dans l'Égypte a quoi? Mais après la chute de l'Égypte, qui remplace l'Égypte? Qui remplace l'Égypte? C'est la Syrie. Frère, si on a tout dit, on voit que ça va me répondre. Je ne peux que répéter parce que, frère, quand je te poserai la question, tu ne manqueras pas de répondre. Quand je parle de ces têtes-là qui font les monstres, nous parlons premièrement de la Syrie, deuxièmement de la Syrie, troisièmement de la Babylone, Médo-Perse, quatrièmement de la Médo-Perse, Grèce, cinquièmement de Grèce, Rome païenne, sixièmement, il s'agit de la Rome païenne. Voyez quand là que se trouve Rome au-dessus des eaux, en Apocalypse 17, la bête là. Apocalypse 13, verset 1er. Nous voyons la bête qui est au-dessus des eaux. Mais bête, voilà, il faut appuyer. Et cette bête là doit négler Jean-Monnet. Comme Jean a vu. Mais la place, les couleurs à moi, il m'a déjà remplacé la femme. Maintenant, à sa place au-dessus des eaux, on trouve la femme. En Apocalypse 17, verset 15. En Apocalypse 17, verset 15. On voit la femme sur les eaux. Cela veut dire, quand la bête est blessée, c'est-à-dire quand la bête est blessée, c'est la femme qui se lève. Maintenant, c'est la femme qui prend la place. C'est ça l'Église catholique romaine. C'est ça l'Église catholique romaine. Vatican. Bonjour, Amen. Ça c'est l'écriture, il faut le dire ça calmement. C'est l'écriture, il faut parler ça tranquillement et poser. Parle de ça parce que tu n'adores pas de la même manière que. Il faut dire par contre que ton adoration est ça, en abomination à l'adoration à celui. Il faut dire simplement que ton adoration est en abomination aux adorations des autres. Moïse a dit que ce qui est cette adoration à l'Égypte à la pire. Moïse a accepté que, en tout cas, si j'adore mon Dieu ici en Égypte, l'Égyptien va me l'abandonner. Ne pense pas que l'Égyptien va l'embrasser à mon ami, non. Alors, pour lui, on s'attend à fausse alliance. Ne cherche pas à poser des fausses alliances. Présente la parole. Présente plutôt la parole. C'est ça la parole de la vérité. Amen. Maintenant, la femme qui remplace ça. Maintenant, cette femme qui remplace la bête. Azan la royauté. Royauté qu'on t'avait donné Apocalypse 17 au verset 18e. Nous le suivons très bien. Mais cette femme, et cette femme-là, à cause de la dépouillée par la bête qui n'était plus, elle sera dépouillée par cette bête-là qui n'était plus. La totale qui l'a verset 16e. Et là, on avait lu au verset 16. Et Apocalypse 17. L'Apocalypse chapitre 17. Il y a mon de totale qui. C'est ce que nous avions dit. Parce qu'il faut qu'on t'aille encore bien, bien. Il faut que nous réalisions cela. Apocalypse 17, verset 16. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Les 10 cornes que tu as vues. Ma Seigneur, Oyo, mon ami. Et la bête. Pena Nyama. Aïron la poussée. Bakoui na moi si douba. La dépouilleront et la mettront à lui. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Vous en avez un malin? Ah. Donc cela veut dire que. Cela veut dire. Ma cambota tout en est. Les choses dans nous les disons. Il faut tout le monde en aller à ce qui a été. Il faut qu'on voit dans ce qui a été. Il y a un mot total qui est dans Daniel 11. Voilà pourquoi
Daniel 11. Tout en voulant qu'on a bien ensemble, nous marchons ensemble avec les enfants pour les pas construire la mission dans le monde. Et le Seigneur nous aidera. Pourquoi qui est Daniel 11? On avait pris Daniel chapitre 11. Daniel 11, là, voilà. Dans Daniel 11, ici, dans un monde, un roi païen. Nous voyons un roi païen. Ce roi-là, oui, a une alliance sainte. Il avait la haine contre l'alliance sainte. Tout en a crié dans le verset 30. On avait dit à partir du verset 30. Notez verset 30 et dans verset 37. Jusqu'au verset 37. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Il repoussera. Puis, il vient contre l'alliance sainte. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Donc, Israël. D'autres Israélites rejetteront l'alliance sainte. Maintenant, le roi païen là, pour réussir la mission de l'Alliance Israël, pour qu'il réussisse sa mission en Israël, s'attachera à ceux-là qui auront méprisé l'alliance sainte. C'est textuellement dans les choses de Dieu, comme aujourd'hui. Tu verras un traducteur, lui-même pas les écritures. Le diable ne rétendra plus pour travailler avec lui. Donc il y a l'alliance sainte dans un moment à pour lui, l'alliance sainte, ça n'a pas d'importance. Le diable va construire tout un monument. Parce que le roi portera les regards. Parce que le roi va porter les regards. Le roi d'abord, ça a déjà hostile l'alliance sainte. Amen. À qui vous le faites en fait? Il n'aime pas l'alliance sainte. Mais à son temps, on a réussi. Maintenant, il observe comment réussirais-je. Mais à comment la carte à 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 sainte. Vamos sur ma zone découragée, ma zone rejetée par la carte. Il verra seulement parmi ceux-là qui abandonnent l'alliance sainte. C'est avec ceux-là qui travaillent. Tu sais comment cela est. On explique très bien. Nous allons bien expliquer cela. Par la grâce de Dieu, merci. Ah. Maintenant, des troupes se présenteront sur son ordre. Sur son ordre, verset 31. Il y a Daniel 11. Des troupes se présenteront sur son ordre. Daniel 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Mamatenga, Pagopusana, Namutidonaï. Namoté Maneza, Abel Isaka Boyokanaza. Son rôle est de détruire vraiment ce qui est de Dieu. Azui Mena, Mampinga Naï. Prends maintenant des troupes, ces troupes. Azar, roi païen. C'est un roi païen. Azar, juif. Il n'est pas juif. Azar a besoin de Boyokanaza. Il n'a pas besoin de l'alliance de Dieu. Mena, Abanini. Comment il va commencer? Il va faire l'alliance avec les Juifs. Ces Juifs-là qui ont abandonné l'alliance de Dieu. C'est avec ceux-là qu'il prendra. Par Bango à côté, pour et par eux là, il va rentrer en Israël pour détruire maintenant l'alliance d'Éternel. Ce que nous lisons d'abord, cela s'est déjà fait. Mais ça fait. Quelques-uns des hommes sages s'y comberont afin qu'ils soient purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Maman, bonjour, mon âme. Donc, à ce moment-là, ils ont d'abord les hommes écrits.
question déjà faite. Et donc, ça m'a mis ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la prédiction? Mais Jésus a beau. Mais comment c'est la prophétie? La prophétie. Et c'est une temps de la fin. C'est même parti jusqu'au temps de la fin. Donc, moi, yo, et qu'est-ce qui n'a apocalypse? Donc, ça, c'est si pas jusqu'à l'apocalypse. C'est comme ça qu'il faut tendre la Bible. C'est comme ça qu'il faut lire. La Bible. Parce qu'on a amené cela jusqu'au temps de la fin. Mais ça l'a déjà. Mais cela d'abord c'est déjà accordé. Il y a votre nom, ce qui a été. Voilà, pourtant nous disons que c'est qui a été. C'est ce qui sera. Amen. Pour comprendre maintenant, au salaire, ma couronne dans l'Apocalypse 11, 12, 13, tout ça, il faut tendre la bien. Pour comprendre les choses qui se passeront, en Apocalypse 11, 12, 13, il faut lire ça bien. Donc, tant qu'on se tend là. Quand tu lis ici, on se comprend que. Tu comprends que. Tant qu'on m'a déjà raconté à Israël. Lorsque les deux hommes prêcheront Israël. Et que ma deux hommes en a. Ma côté Israël, l'alliance de Dieu. Et que ces deux hommes l'avons introduit à Israël, l'alliance de Dieu. Tant qu'on la bête à Kogoma Bango. Après que la bête les aura tués. Il y aura des traîtres de l'alliance. Amen. Vous en avez les amis. Vous suivez très bien. Bonne année. Pourquoi? Ma camboyo. Ma mémé ont été la temps de la fin. Parce que ces choses ont été ramenées jusqu'au temps de la fin. Amen. Mais, il y a une façon de continuer verset 31. Nous continuons le verset 31. Les troupes se présenteront sur son ordre. Ma pire, et vos poussins en amitié nos maillets. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Et dresseront l'abomination du dévastateur. En cette époque-là, prophétie Daniel a tiaki. De la prophétie dont Daniel avait mentionné. A Tanisi Amoke. Il fait voir que Bakope qui sa sacrifice perpétuel. On n'interrompra les sacrifices perpétuels. Bon année. Pourquoi? Sacrifice perpétuel. Oui. Basanai qu'on sacrifie à mon adombo na ma pauvre. Le sacrifice perpétuel était sacrifié le matin, même le soir. Sacrifice perpétuel, rôle na moi et zana qui est la moto et zambé ou et qui t'a qui n'a le vidique neuf. Son rôle était de conserver le feu qui était descendu en Lévitique. Donc, son profil, Lévitique 9. Quand tu prends Lévitique chapitre 9, jour consécration. Et au salement, paix service, Yaron et au mandat. Les jours que la consécration avait eu lieu et le service d'Aaron débutait déjà. C'était Dieu lui-même éternel qui était descendu pour allumer le feu. Aujourd'hui, Lévitique 9. Nous prenons Lévitique chapitre 9. Verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Moïse n'a alors n'a pas compté qu'il n'a rien à dire. Asana Lévitique 9, verset 23 à 24. Amen. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Et que mon Yahweh et le feu sortit de devant l'Éternel. Moto et le magi du Bosona. Et consumant sur l'autel l'holocauste. Et ils poussèrent des cris de joie. Bazaraki Koganga dans le cerveau. Et se jetèrent sur les faces. Bazaraki Kogoya dans le Kina Bango. Ce jour-là, l'Éternel était apparu lui-même comme étant le sacrificateur. Et Zaraki, huitième jour du tabernacle. C'était le huitième jour de l'existence du tabernacle. C'est ce qui prouve que. Le jour que Dieu avait immolé l'animal dans Genèse chapitre 3, c'est le huitième jour d'Adam. En lisant comme ça depuis la création, c'est le 14e jour. Voilà pourquoi il avait donné, institué la fête des Pâques au 14e jour. Voilà pourquoi il avait même donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Le 8e jour. Écoute comment il avait dit à Abraham. Si ton enfant dans ta maison atteignait
toujours. Abraham est circoncis. Toi, Abraham, tu es circoncis. Or, définition à circoncision. Or, la définition de la circoncision. Comment parle de la conversion. Quand tu étais dans le monde. Et cela l'identifie comme une personne qui a des sales vêtements. Donc, comme ça, il y a ma vie. Comme une mauvaise vie. Lorsque la personne croit en la parole, ah, c'est circoncis. C'est-à-dire, elle est circoncis. Cela veut dire qu'on a ôté les habits sales. Au moins, le corps là a changé qui Adam et Ève là-bas. Tu vois la manière dont on avait changé Adam et Ève les habits. Cela est ainsi de la circoncision. Amen. Mais parce que circoncision, c'est un changement d'habit. C'est par rapport, nous comprenons que la circoncision, il s'agit du changement des vêtements. Il y a beaucoup de colonnes, c'est le 8e jour, il y a l'image de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il fallait que ce soit le 8e jour de l'image de Dieu. Parce que l'image, c'est le Fils. Amen. Faisons l'homme à notre image. Amen. Donc, Adam, c'est là qui image de Adam, Dieu. Adam était l'image de Dieu. Maintenant, Abraham, c'est lui comme élève. C'est lui, Adam. Abraham, on est l'éternel. Abraham, c'est lui l'éternel. Amen. Parce que père de la foi, c'est l'éternel. Amen. Le père de la foi, c'est l'éternel. Maladie, c'est pour Abraham. Mais il a appuyé cette nature-là. Père. Abraham, le père. Abraham avait circoncis Isaac au 8e jour. Ça veut dire que Abraham avait habillé Isaac l'habit donc le 8e jour. Ah. Voilà pourquoi tu dis. En Genèse 3. Dans Genèse chapitre 3. Tu appelles comme véritable Abraham. Dieu comme le véritable Abraham. Est-ce que tu suis très bien? Dieu sacrificateur. Car c'est le sacrificateur entre les mains duquel on offrira la peau de la main. Qui a offert l'Holocauste selon Lévitique 7, verset 8. Quand il offre l'Holocauste d'après Lévitique chapitre 7, alors, il faut sacrifier en fonction. Que c'est lui qui sera en fonction entre vous. Ouais, qui sacrifiera le logos. Il aura pour récompense, c'est la peau de l'animal qu'il a sacrifié. Et c'est ce que tout le monde n'est pas en Genèse 3. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3 avec Dieu. Il est resté avec la peau de la bête entre ses mains. Vous êtes malade? Amen. Il y a un moment donné, 8e jour alors. Voilà. Pourquoi tu verras que le 8e jour là-bas? Dieu était venu comme sacrificateur à la manière du sacrificateur qui immole les animaux. Amen. Maintenant, c'est vrai. Zamba qui dit ça qu'il y a. Que le Seigneur avait fait descendre. Il y a encore des c'est avec ce feu-là que le sacrificateur rentre avec dans les tabernacles pour allumer le feu. Ce qui va allumer le chandelier. Quand ils allument le chandelier. Chandelier en face de la maison, il n'y a pas de pas. En face des chandeliers, c'est pour la table. Si tu veux la lecture 40, si tu veux la lecture en Exode 40, tu veux la faire. Donc, lumière là est bon qui s'en va, papa, mon ami. La lumière du chandelier va éclairer le pain qui se trouve sur la table pour qu'on voit sa visibilité. Maintenant, qu'est-ce qui concerne le feu que Dieu avait donné? Sacrifier le sacrifice perpétuel. Il s'agit du sacrifice perpétuel. Autant qu'il y a mon Exode 29. Tu peux lire cela dans Exode 29. À partir du verset 38. Notre mère. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Exode 29, verset 38, 39.
Des agneaux d'un an. Chaque jour, à perpétuité, tu offriras l'un des agneaux le matin. Et l'autre agneau entre les deux soirs. Maintenant, nous avons vu Lévitique 6. Maintenant, nous prenons Lévitique chapitre 6. Nous avons vu Lévitique chapitre 6. À partir du verset. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est quoi le bébé qui m'a fait la Yémissa? Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste autour du commandement. L'Holocauste dont on veut sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Mais pour moi, les boutiques et vos araguicolos n'ont tombé le coup, tout le monde matin à tomber. Pour les amis de combattre la lumière, parce que c'est l'Holocauste qui devait garder toute la lumière. Et le feu brillera sur l'autel. Le menton et compéra, les colons et tombé le coup. Les sacrificateurs revêtiront sa tunique de lin. Dans la zone, Agonata et la main à la tête. Et mettra les caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. La colombola kutulu et la moto oyo et mozika na mouboma ni colonna et tumbelo. Voilà la tombe déjà. Et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements. Et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Verset 5. Les feux brilleront sur l'autel. Cette alliance, par tous les moyens et le roi. Il cherchera par tous les moyens.
d'enlever cette lumière. Même si aujourd'hui Daniel rit, quand tu prends même Daniel chapitre, et nous sommes avant l'Antichrist Epiphane. Il y a un autre ennemi qui est Antichrist Epiphane. Daniel rit. À partir du verset 9. Je vais noter le verset 9 et le verset 13. Tu peux noter à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Mais attends, dans le verset 11, à tous. Je prends d'abord le verset 11 et 12. On comprend après que corne n'a pas été dans le ministère à diable. Tu verras que cette corne n'avait que le ministère du diable. Balobi, le verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui, chef de l'armée, c'est le sanctuaire de Dieu. Le chef de l'armée, il s'agit du sanctuaire de Dieu. Lui enleva le sacrifice perpétuel encore. Et renversa les liens de son sanctuaire. Donc, ils ont le sacrifice. Donc, ils ont le sacrifice perpétuel. Afin que les ténèbres rentrent dans le pain. Or, aujourd'hui, oui, notre sacrifice, c'est un sacrifice de l'air. Amen. Et Hébreux 13, comme le dit dans Hébreux chapitre 13. Fruit à parole et à grâce. Amen. Dans une petit témoignage. Nous prenons par exemple un témoignage. Il y a Hérode comme un exemple dans le mythe qui est homme. Je prends Hérode comme un exemple. Dans Exode 12, dans Acte 12 plutôt. Dans Acte chapitre 12. On note à partir du verset 21 à 25. Tu prends à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Bah, tout le temps, maman, Hérode, Négaloni, Makambo, Ameni, Bango. Les gens, quand ils ont remarqué que Hérode avait parlé dans son langage, qui les a apportés. Bah, tout le monde, ce qui va changer sa vie. Tous les gens qui étaient là en parlant, ils ont changé ça. Ils ont regardé le roi Hérode. Ami, la voix de Dieu. Ils ont considéré cette parole comme étant la voix de Dieu. Ah, c'est changé le sacrifice. C'est parce que le sacrifice n'a plus de sa mère. C'est-à-dire qu'ils avaient changé le sacrifice car notre sacrifice aujourd'hui. Il y a un ange qui a frappé Hérode. Voilà pourquoi l'ange avait frappé Hérode en ce moment-là. Toi, mon ami, qui est affamé, n'a quitté à sa mère. Hérode s'était assis sur le trône de gloire de Dieu. Amen. Le trône de Dieu, ce sont les cœurs. La savana. Là qu'Hérode. Voix de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un fait sortir de son cœur disant que Hérode, ta voix est comme celle de Dieu. Acte 12 à partir de 29, 25. À ce moment-là, directement, l'ange a été frappé. On dit dans Acte 12, 20 à 27, qu'en ce moment-là, il y a eu des pères de louange, l'ange a frappé l'ange. Il a commencé à pourrir en train de voir. Parce qu'il s'est assis à la place de Dieu. On montre qu'ils n'ont pas vraiment obéi à Dieu. Ils ont cherché à détruire les sacrifices, la loi de Dieu. Ce sont des rois des nations. Amen. Comme des serpents. Amen. Vous en avez parlé, moi. Vous savez très bien. Il y a un moment où on a continué de dire dans Zacharie 11. Dans Zacharie 11. Je continue la lecture dont j'avais ici dans le chapitre 11. Dans Zacharie verset 31. Au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires et la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Je pense que vous comprenez pourquoi je fais cesser les sacrifices perpétuels. Je pense que vous avez compris pourquoi je fais cesser les sacrifices perpétuels. Pour la service, nous sommes à 4 et à la
Jésus arrive dans Matthieu 24, verset 15. Maintenant, lorsque Jésus vient dans Matthieu 24, verset 15, amen. Allons-y, il dit ceci. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, au verset 15. C'est pourquoi, oui, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, il y a un bon thème. Tango, boko, mona, di bebi, oyo, ya. Oula. Di bebi. Et di bebi, oyo, kweisa. Oya, kweisa, oui, oui. Désolation. Dont t'a parlé le prophète Daniel. Oyo, sa koni Daniel, à l'ouba. Établi en lieu saint. Et vandi na esika boule. Que c'est lui qui lui fasse attention. Lieu saint où est l'église terre. C'est Dieu saint ici, n'est pas l'église. Amen. Lieu saint où est le peuple d'Israël, où il y a qui parle de la joie. Dieu saint ici, c'est le peuple d'Israël qui avait écouté la parole à l'heure des deux joints. Son contact est Apocalypse 11. Si tu l'as Apocalypse chapitre 11, Matinda qui va mesurer les temples. On avait envoyé de mesurer les temples. Et ceux qui adorent. Amen. Et les parvis extérieurs, on avait dit que Tika Yango. Les parvis extérieurs, on avait dit que les décès. Parvis, maintenant, on peut être lieu saint. Les parvis aussi est appelé comme étant des lieux saints. Quand on a Lévitique 6, verset 9. Dans Lévitique 6, au verset 9. Et dans la lieu saint, on va mettre dans la première partie, il y a tabernacle selon Hébreux 9. Il y a le lieu saint qu'on appelle la première partie du tabernacle d'après Hébreux chapitre 9. Lieu saint. Et si qu'à table la paix est proposée, ça va qui? Là que se trouve la table de paix de proposition. Un chandelier. Même chandelier. Et puis, na hôtel d'or. Même l'hôtel d'or. Et ça, na lieu très saint. Il y a aussi les lieux très saints. Oui, ça va qui? L'arche de Dieu. Posséder l'arche de Dieu comme la seconde partie. Mais parvis peut être un mot lié saint. Mais les parvis est également appelé comme étant le lieu saint. Lévitique 6, verset 9. Oui. Génial, mon Dieu. Ah. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Aaron a un abandon de la Bible, il n'y a pas de la Bible. Ils ne mangeront sans les vins. Il n'y a pas de la Bible. Dans un lieu saint. Là, ici, il n'y a pas. Dans les parvis et la tente d'assignation. Voilà. L'écriture réellement. C'est ça l'écriture. Parvis, la même amoupe, lieu saint. Les parvis sont également appelés les lieux saints. Et à quoi on appelle ce verset? C'est pourquoi je t'ai donné le verset. Maintenant, dans le service de Dieu. Maintenant, dans le service de Dieu. Amis, nous avons pour maman dans le lieu saint. L'agneau était immolé dans les lieux saints. Ma sacrifice de son nom, maman, dans les lieux saints. Tous les sacrifices étaient immolés dans les lieux saints. Jean-Baptiste, on a un sacrifice dans les lieux saints. Jean-Baptiste a donné un sacrifice dans les lieux saints. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Cela veut dire Israël. C'est-à-dire Israël. Et ça parvient. Il est comme le parvis. Et ça vient seulement. Il est vraiment les lieux saints. Parce que l'agneau n'était pas venu en air de ce monde. Ce n'est pas à Kamba qu'il est né. Ou bien à Kentucky. Ou bien à Kentucky, non. L'agneau, il faut aller n'a pas vu. L'agneau doit venir dans les parvis. L'agneau n'a pas vu. On nous montre l'agneau dans les parvis. Il y a mort l'agneau, Jésus a confié à Israël. Voilà pourquoi l'agneau véritable de Jésus est mort à Israël. Oui. C'est vrai. C'est là où la nuit est mort. C'est là que la nuit était mort. La nuit a couffa et c'est un parvis. La nuit viendra mourir là que se trouve les parvis. Les parvis est appelé lieu saint. Les parvis est appelé les lieux saints. Maintenant, selon ma roi, on va aller comme serpent. Selon le roi qui était comme des serpents. Mais avant le mot sacrifice perpétuel. Ils ont des sacrifices perpétuels. Dans les lieux saints appelés parvis. Dans les lieux saints appelés les parvis. Pourquoi est-ce maintenant, dans la réalité de l'Apocalypse, lieu saint, c'est tout un peuple, Jérusalem.
Amen. Israël. Oui. Donc Jérusalem, Israël. Ah. Dans l'Apocalypse 11, verset 2. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 2. Apocalypse 11, parce que Matthieu 24, l'abomination que vous avez établie dans l'Église, dans Matthieu 24, là, on dit verset 15, l'abomination sera établie dans les lieux saints, c'est-à-dire là, donc les ténèbres étaient rentrées dans l'Église, non, où l'Église était morte, non. Ça, ce n'est pas ça. Voilà, autant qu'il m'a béni. Là, tu as mal lu. Verset 1 à 2. Il y a pour l'essence. Oui. On me donna un roseau semblable à une verge. En disant, lève-toi, et mesure les temples de Dieu. L'autel est ce qui adore. L'autel est ce qui adore. Et tout le monde n'a pas. Mais les parvis extérieurs du temple. Laisse-les en dehors. Et ne les mesure pas. Car il a été donné aux nations. Amen. Et elles fouleront au pied la ville sainte. Donc, parvis, on a dit au Congo, la ville sainte. Les parvis, on l'appelle. C'est ça le prier saint. Amen. Vous êtes là, madame. Vous suivez très bien. Et vous êtes là, foulé au pied. Mais les parvis, c'est là, foulé au pied. Vous êtes là, madame. Donc, Élie Kolobaké. C'est là, venir que. Après, parce qu'il t'a pas bien sûr, Mabouzara. Parce que lorsque les deux uns seront. On va protéger la femme. Ils vont protéger la femme. Fleuve ne s'assert pas et retourne sa femme. Tout le fleuve du serpent ne touchera jamais la femme. Donc les corps qui protègent la terre, les corps qui protègent la femme, c'est les corps de deux uns. Terre, les corps c'est la terre. Mais ça la bouche d'un corps qui possède une bouche, l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Et quoi valer maillot sur ses mains et au vaincre. Cette bouche va avaler toutes les eaux du serpent, c'est-à-dire vaincre. C'est exclusivement pour son église. C'est exclusivement pour l'église. Ils sont ma frère, ma fille. Nous les frères prédicateurs. Nous sommes aussi la terre. La terre pour moi est donc importante. Mais tous en a une bouche. Mais nous possédons une bouche. Bouche là, c'est le ministère de la parole. La bouche là, c'est le ministère de la parole. Amen. Le Saint-Esprit dans l'enseignement de la parole. Amen. Il y a un mot dans l'Apocalypse 2 et 3. Voilà pourquoi l'Apocalypse 2 et 3. Alors, mais que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit. Ah. C'est l'Esprit qui parle. C'est ah. Ça la bouche. Amen. Dis aux églises. Amen. Tout ça, là, voilà. Nous nous suivons très bien. Maintenant, on continue. Tout ça, nous sommes dans Daniel 11. Là. Nous continuons toujours dans Daniel là-bas. Nous sommes dans Daniel là-bas. Nous vraiment. Bon, on se sera dans Daniel là-bas. Je ne vais pas répéter ta prédication. Je sais que vous avez. Dans Daniel, c'est maintenant pourquoi. Je vous ai montré pourquoi les rois qui sont comme des serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont combattre les sacrifices perpétuels. Pour quelle raison ils partent uniquement combattre les sacrifices perpétuels? Obscurité quota. Parce qu'ils ont uniquement raison que l'obscurité rentre dans les sanctuaires. Bâti à fausse adoration. Et qu'ils établissent la fausse adoration. Amen. Ah. Le lien manque aussi dans ma fausse église. De la manière dans les fausses églises là. Bâti à la facilité à l'enseignement. Ils ont la facilité d'enlever les vrais enseignements. Comment les motéis accueillent formation? Tu vois les prédicateurs qui parlent de formation. Comment être un vrai leader? Comment être un vrai leadership? Allez, on t'apprend la leadership. Il rentre pour étudier la leadership. Là, qu'est-ce qu'on dit? Motéi allait à Katena Bandi. Un prédicateur ne marche pas avec les fonds. Il faut prendre la valeur. Jésus a dit là-bas d'ici. Jésus a dit là-bas d'ici. Jésus n'avait mangé avec ses disciples. Comme des fidèles. On a besoin que ça nous donne une rose à la leader. Donc, tu dis comment il faut être leader? Il ne faut pas sourire avec les gens. Ah, voilà, parmi les élèves.
de la parole. Atali ba faux prophète ya Baal. Il me regarde le faux prophète de Baal. Abandi de conséquences. Comment se marier? Amen. Et on voit que tu verras que les rois des nations ont
rois des nations et décoter d'abord les sacrifices perpétuels. Établir l'abomination. Nous continuons avec la lecture. Toujours dans Daniel 11. Daniel chapitre 11. Nous viendrons voir cela dans la Bible, la paix fait mention jusqu'au temps de la fin. Donc on est le verset 32e. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 32e. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. A compagnie de son entraîne, à propos si, par où il y a, donc il y aura d'autres juifs. Il y a pas d'immigrés ma campagne, mais pas là. Lui aussi a traité qu'en tout cas, quelque chose se détruise pour soi. Maintenant, on a pas mal à la carabine. Les gens paraissent tout même dans les églises. Oui, et tu as un tableau gagné. Petit, tu es quelqu'un de tribu d'abord. Dans un bouillon. Je suis bouillon. Et dit qu'il n'a pas un bouillon. Tel que tu me vois là aussi. Bouillon de pire. Et vous, c'est des réserves. C'est pour nous les ballons. Tu m'as dit qu'il s'était comme ça là-bas. Tous les noms. T'inquiète, petit, je ferai pas tous les moyens. On s'en va la responsabilité. Tu auras même la responsabilité de ta colère. C'est ce qu'ils ont fait dans ma église, mais là, le réveil. C'est ce qu'ils ont fait dans les églises de réveil. Amen. Abomination. La mort, les abominations. Amen. Mais bisous pour la tonalité de Dieu de quel tribu. Paul n'a jamais posé cette question, que Dieu de quel tribu. Il y a une question, Paul. Écoute la question. Avez-vous reçu les sept esprits de ce que tu as maintenant les autres nations qui sont comme ces alliés à ces jours de mort.
32, le verset 24, oui. Verset 25. 32, verset 24, verset 26. Ah. Toujours dans la maman. Nous suivons très bien. Dans le verset 34, maintenant, dans les temps où ils s'y comprendront, la tango et Bakoya, ils seront un peu séparés. Bakoya et Bakoya, ils sont bien sûr que nous allons parler mal et tout le temps. Tout ça nous irons petit à petit, mais nous et plusieurs se joindront à moi par l'hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages s'y comprendront. Enfin qu'ils soient épirés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Moi, il m'a mis au temps de la fin. Vous en avez un? Tu vois, on ramène cela au temps de la fin. Donc, et les osages ont allé dans le royaume et à Perse. Ça s'est fait. Grèce. Ça s'est fait au temps du royaume de Médocine. Et donc, Grèce. Après, on a. Mais, et ça, les amis, mais ils ont y a des sources dans le temps de la fin. Après ça, ça s'est fait, mais ça se fera encore au temps de la fin. Expliquez le roi au roi. Maintenant, on explique ces rois-là. Le roi fera ce qu'il voudra. Oui. Il se révéla. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Écriture, on est à mon fond, c'est en Apocalypse 17, verset 16. Cette écriture, il faut la lier avec l'Apocalypse 17, le verset 16. La bête et les dix cornes, les dix rois, haïront la prostituée. Parce que la prostituée a tombé dans la faux Dieu. Mais la prostituée qui est remplie de fausses divinités. Oui. Azana, la statue naïe. Les statues de Marie. Joseph. Saint Joseph et Jésus. Marie. À la droite, Marie. À la chapelle. Même tous les chapelles. Et nous connaissons Soana et Za satanisme. Même les eaux bénies là, c'est satanisme. C'est pas une chose de Dieu. T'as l'apparence en Il ne faut pas voir l'apparence de la piété. L'écriture a raison. L'écriture a toujours raison. Tout homme a la réponse manquée. Amen. Dieu seul vrai. Dieu seul vrai. Amen. Malobi par chantement nion sur les niveau de colo ma casse. Les années pareilles. On dit les enchantements la sorcellerie qui a une hôtel très élevé. Ça se trouve c'est la Bible qui dit dans Apocalypse 18. C'est ce que la Bible dit en Apocalypse 18. On va faire Dieu Dios. Toutes les possibilités. C'est l'ensemble tout autour d'elle. C'est l'ensemble tout autour d'elle. Maintenant, quand elle s'élève sur les eaux. Maintenant, quand elle s'élève sur les eaux. Quand elle s'élève sur les eaux. Quand elle s'élève sur les eaux. La bête aux années sur les eaux, Apocalypse 13, les années de la bête qui était épris. Quand la femme s'élève sur les eaux. La bête qui est en Apocalypse 13 sur les eaux, c'est comme on dirait qu'elle n'est plus. Mais la bête réapparaîtra. Mais cette bête là-bas réapparaîtra. Quand elle réapparaît, il faut haïr la femme. Quand elle réapparaît, c'est pour haïr la femme. Bonjour, madame. Est-ce que tu suis très bien? Pour aller prier ma frontière de l'Osso. Afin qu'il dépouille toutes les forces divines. Pour y dominer. Afin qu'elle-même domine. Bonjour, madame. Lorsque nous allons avancer, nous allons vous montrer cela en Apocalypse. Parce que Wanande Azotombo Amazon dans la Bible. Parce que là, elle s'élève car elle sort de la Bible. Oui. Parce qu'à quoi s'attaquer la bateau va s'en frontier. Car elle va s'attaquer aux gens qui ont des fausses divinités. Mais il y a moi Awawa. C'est ce qu'on voit ici. Les rois fera ce qu'il voudra. Verset 36. Verset 36 de Daniel 11. Il se révéla, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Il y a beaucoup de blasphème. C'est ce qu'il a dit après comme étant des blasphèmes. La police 13. Oui. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. La colère est en Armageddon. Cette colère la parle de l'Armageddon. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Écoutez ce que le roi la fera. Il n'aura égard
au Dieu de ses pères. Les autres ont dit c'est roi comme un juif, c'est tu es dans la tribu là. Non, il est là dans la tribu des dames. Pour dans la bengue, c'est pas la Genèse 49. Parce que dans les tapelés, il s'est pas dans la Genèse 49. Il était à moi la chose continue pour nous barrer, il va te faire un peu. Si tu continues à prêcher comme ça, tu sais pas comment Dieu s'énerve. Donc, il y a un peu, ça c'est pas, il s'en va à Satan. Toi, tu penses que dans la Bible, il s'est pas, c'est mal. Dans tout ça, pas tout le monde qui Moïse, t'as dit amen. Quand tu avais posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dit? Moïse avait regardé que c'était un verre. Ils n'ont pas interprété le verre. Il fallait que Dieu lui-même interprète la verre. Alors, dis quoi, moi, là, ma belle, parce que je veux dire la verre. Il dit, jette ça sur la terre parce que toi, tu vois que c'est la verre. Avant, il commet serpent. Moïse a regardé comme ça. Moïse a pas dit qu'il va. Moïse a commencé à prendre le feu. Voilà, tant la zone qui m'a Moïse, les autres, ils sont Israël. Et quand Moïse priait, il parlait d'Israël. Parce que ma tante, ma sœur, elle va dire que vous êtes roi. Amen. Quand il avait les bâtons au-dessus comme ça, c'est là parlé comme de la portion du roi. Quand moi, tu viens prêter ta sœur, t'as dit Dieu qui est descendu sur terre. Amen. Quand elle a laissé la verge tomber sur la terre, c'est comme Dieu qui est descendu sur terre. On est comme Jésus. Là, les bâtons deviennent Jésus. Et les gens croient au mal, mais comme Moïse est élevé, ne sont pas d'air. Amen. Comme Jean dit que Moïse est élevé, ne sont pas d'air. Maintenant, Moïse commence à fuir. Moïse a commencé à fuir devant c'est Israël. Là, il parle d'Israël. Non, ça c'est pas notre Dieu. Qui se transforme en serpent comme ça, non. Non. Oh, c'était lui. Oh, c'était Dieu. Le Dieu créateur qui s'est de la terre. Ah. A su la créature appelée Marie. Il a pris la créature appelée Marie. A monté à la famille mon Dieu. Il est par là. Ça a monté la vie. Le Dieu qui a créé les cieux. Amen. Mais à la prochaine, au début.
nécessité. Amen. Et là, c'est uniquement aux gens qui ont des fausses adorations là, qui sont convenus pour être au-dessus d'eux. Travail à nous, à 5 mois, dans la 5e trompette. Ce travail là, c'est passé pendant 5 mois dans la 5e trompette. Yahoya. C'est ce qui se trouve là. Il s'est glorifié au-dessus de tous. On a les appels à ton moment. Là, c'est pour qu'il s'élève. À ça que l'autorité est la bête qui était ne plus et réapparaîtra. Et il met son autorité dans le mouvement de la bête qui n'était plus et réapparaîtra. Alors, toutefois, il honorera les dieux des forteresses. Verset 38. Toutefois, il honorera les dieux des forteresses. Parce que lui-même s'autoproclame. Mais toutefois. Mais attention, toutefois. Après, va honorer Dieu en forteresse. Il saura quand même honorer les dieux des forteresses. Avant. Dieu des forteresses, là, c'est Satan. Amen. Est-ce que tu suis très bien? Satan, mais c'est trop. C'est Satan qui lui a donné le trône. Pour dominer sur la terre. Afin qu'il domine sur la terre. La bête. Ma forteresse, et ça, et si moi, ma tâche, je m'oublie, donc, forteresse, c'est un lieu comme refuge sûr. Où maintenant, ma forteresse, c'est la ville, et les puissantes nations. Maintenant, la forteresse, c'était sur comme des puissantes nations. Et aujourd'hui, en Égypte, Assyrie, la Syrie, Babylone, et ça, vraiment, la forteresse. Ils ont un Dieu qui le domine. Elles sont comme des forteresses possédant un Dieu qui le domine. Il y a mon 1 Corinthiens 4. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il y a les dieux de ces siècles. Amen. Oui, ça pour aveugler ma vie. Qui aveugle les gens. Donc la bête. La bête. A proclamé Dieu. Va se proclamer Dieu. Après, la Dieu va sur la terre. Il va refuser de reconnaître le Dieu. Mais il va égal à Dieu. Néanmoins, il aura les gars. Là, c'est Satan. Et là, c'est Satan. Vous en avez là? Est-ce que tu suis très bien? Mais les bons ennemis de la forteresse à briller. En signe, c'était le Dieu de forteresse. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Toutefois, il n'honorera les dieux de forteresse qui sont piédestales à ce Dieu qu'elle ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent. Avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui les reconnaîtront. Tous ceux qu'on reconnaîtrait. Donc quand tu les reconnais, en tout cas, il les appelle. En tout cas, toi vraiment, Dieu. Au salaire qui dit qu'on le pèse, quand tu as créé les cieux de la terre, par amour à tout courir aussi. J'ai dit, c'est mal. Il est distribué à la terre pour récompense. Quel est le dénal qui était pour vous? Va, vraiment, éviter ces terres-là. Et ça va commencer par la même église. C'est une chose qui se passe même à l'église. Vous êtes dans ma main? Je suis très bien. A honorer la pécité. Il va l'honorer, lui donne la terre. Et ça va pas tout sous son retard, hein? Azon mérité terre à vos amis ministères. En qualité du ministre, il n'y a rien. Mais le coup la personne pour Kalamambi, il n'a rien de même à papa naïe. Mais quand on y en sera ça. Comme il est bien collé beaucoup plus à son soi-disant papa, quand on y en sera ça. Chaque jour avec son sac. Mais ma sac, ça m'embêtait. Prendre le sac, c'est notre pécheur. Mais voilà. Oui, mais là-bas. À combien dans l'état de soutenir mon tour des âmes et des. C'est même une forme de chercher à soutenir un homme comme Dieu. Sauf que pour la terre, pour moi, il y a
chrétien. Vous savez très bien. Thank you.
suivi la parole même en ligne. Tu connais les problèmes qu'il a dans son cœur, Seigneur. Il obtient la solution au nom de Jésus. Que ta grâce ouvre sa vie. Qu'il voit ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.